bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et aujourd'hui, on accueille un régiment ici, dans l'armée de Von Kerstein, les Lames Oubliées. Alors, c'est pas des gardiens des tombes. La personne m'avait demandé des gardiens des tombes, mais on n'a pas de gardiens des tombes, nous, en tant que vampires. On a des gardes des cryptes. Du coup, ce sont des gardes des cryptes. Je m'excuse. Et il va être temps, je pense, de commencer à aller pousser sur nos ennemis. Lesquels ? Bah, on va prendre l'armée de Manfred pour aller titiller du nain. Et avec les deux autres armées, alors celle-là elle est un petit peu pas trop bien prise, ça m'embête un peu. Il faudrait qu'on aille taper sur lui là, il a quoi? Il a beaucoup de ghouls des cryptes, il a un roi ghoul Strigoi. Il est dans sa garnison, il a de la merde. Ok, on y va. On va prendre l'attrition à cause de... On serait sur une victoire à la Pyrrhus, on va l'encercler. Donc ça c'est un rebelle hein, qui a décidé de se rebeller. Donc lui apprendre que c'est une très mauvaise idée. Et après on poussera jusqu'à Scarbrand. On perd des trucs là. Ouais, on... Ah putain, on perd quand même pas mal de choses. Hein. C'est dommage. Jacob von Karstein, bon de toute façon il prend de l'attrition. Donc, autant y aller. Allez hop. Voilà. On peut les soumettre. Bon. Ça ira. Dédé le Maccabée qui gagne sa charrette macabre avec Brasero Infernal. Par contre, j'ai cru voir qu'en auxiliaire on avait le mec qui donnait un bonus de recherche, donc clairement lui on va le prendre. Voilà. À la place de ça, ouais, voilà, à la place de la... Non, pardon, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que t'as fait, jeu? La bannière de guerre avec le commandement plus 8, on s'en remettra. Par contre, non, ça on garde. Et on va prendre l'étendard en os de liche qui permet d'avoir des attaques magiques. Soon, I'll be all powerful. Ici, on a un niveau. On va prendre ça. Ici, on a un niveau. Est-ce qu'on peut avoir plus de magie? Ouais, c'est pas ouf, mais... More sleep, child. Non, malheureusement on prend de l'attrition parce que il y a beaucoup de corruption du chaos dans le coin. On a diminué de moins 2 par tour. C'est pas ouf. Avance. C'est pas ouf. You tempt my wrath. Là on répare les murs, on refait la garnison. Gontry Mingol, le mec tout seul, je pense que même tout seul on peut le gérer. Alors cela dit, il peut invoquer deux unités de sanguinaires. Hein. Ouais, il est temps qu'on renforce un petit peu nos cités là. Putain, ça coûte tellement cher. Ici on répare, parce que finalement on va le garder. Une tech. Parfaite vigueur, ouais. C'est pas mal. Ça représente combien, 10%? Un squelette. Un squelette sans level, puissance des armes 48. De base. Donc 10%, ça représente plus 4 quoi. C'est pas oufissime, on va plutôt améliorer nos chevaliers noirs et nos gardes des cryptes. Et ici, on prend les potences.
C'est parti, on passe le tour. Excuse-moi, Jacques, tu l'as fait du coup quand on est entre les deux épisodes, donc. Si. Alors. Ok, lui il s'est replié visiblement. Et l'autre là il pille ce qu'il a envie de piller, c'est pas grave. Et là on a deux armées pour marcher sur Korn. Il y a quand même moyen que on puisse réussir à quelque chose. Quick, qu'est-ce que tu veux? Une alliance défensive contre un peu de sous. Ah, tu restes un Skaven quand même, hein. Je suis pas convaincu que ce soit tout à fait adéquat. Non, ça ira. Et des sous. Bah, pour 360 balles. Oui, donc c'est peut-être pas. Ça vaut pas le coup, quoi. On va attendre qu'il soit éventuellement un peu plus aux abois. On va dire. Alors ici, il a recruté un seigneur. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours ton icône dans la liste des factions qui jouent. Comme il doit certainement y avoir le mien d'ailleurs. Bah tu. Ouais, je le vois passer. Qu'est-ce qu'il fait à l'éveiller? Ah, d'accord. Ah bah Faut Luthor, faire gaffe parce que. si tu le régules pas, il va s'énerver aussi, hein. Ouais bah pour l'instant ils sont en train de se faire rouler dessus par Gorrok. Et je sais pas où il est. Hein. Ah, du coup c'est plutôt bon signe. Je pense que t'es mieux armé. Ah quoique. Les hommes lézards, ils sont quand même assez vénères, ils sont assez rapides. Ils peuvent se sortir des trucs qui font pas du bien. Ouais. Leur bête là. Après t'as Rakas aussi, l'elfe noir qui embauche des créatures sauvages à foison là, qui est juste à côté de toi là. Lui il est désagréable, on va dire. On le dira ainsi. Alors, Daedino est prêt. Alors du coup. Oh bah tiens, je vais pouvoir faire ça. Ah je peux pas changer un seigneur, je peux dissoudre une armée entière. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ah. Une petite pièce de 8 en Ah, une armée. perspective. Ouais, ça, une petite armée de pièces de 8 qui vient de passer à proximité là. Hop. Bon, Vite fait, bien Jacob, fait. il faut qu'on fasse quelque chose pour ton attrition, là. Déjà, est-ce qu'on peut recruter des trucs? Cool. Oh le petit terreur Geist! Je pense que ça compte dans les trucs cool ça. Ouais mais alors on va le donner à Pustule peut-être plutôt. Pustule, t'as une place? T'as pas de place? Bah on va te trouver une place hein, pour un terreur Geist, je pense que. Ça remplacera avantageusement les Vargulfs qui se sont fait buter. Comprends pas pourquoi. Je pense pas que des petites gargouilles du chaos vont être emmerdées. Allez, on y va. Et toi, tu vas aller te poser là-bas. Il va nous falloir quelqu'un qui fait de la corruption. Ça va être les vampires qui font de la corruption. On n'a pas moyen de faire de vampires encore. Non, on peut faire que des nécromanciens. Alors, ça y est, le nain il se met à recruter. Il flippe un peu. Donc, on va se mettre en mode raid. Et on va avancer dans le désert. De toute façon, je pense bien qu'on va vérifier, remarque. Normalement, il devrait pouvoir recruter de la merde. Enfin, de la merde. Du nain. Donc, voilà. Mais globalement, de la merde. Et là, l'autre nain il se fait assiéger par les orques sauvages. Armée full orques sauvages. Bon, toi ça m'embête que tu glandes un tour donc tu vas. Est-ce que tu peux te mettre en pillage quelque part? Non pas trop. Donc tant pis, on va prendre de l'attrition mais on va avancer.
Faut qu'on se débarrasse de Korn si on veut pouvoir gérer leur saloperie de corruption hein. Et avant que Scarbrand revienne à la vie de préférence. Shubiti. Je pense pas que tu vas servir à grand chose dans le coin. On va te renvoyer par là-bas. Et ici. Ouais. Ouais, prends ça. L'un dans l'autre, nos revenus se sont quand même pas mal améliorés, hein. Ça fait plaisir. Moi pas. Toi non. Nous. Ah, et t'as perdu ta ville aussi. Cherche. Eh oui. En termes de sous, là on passe à 250 contre 600, ok, là 1200 pour ça. La vache. Et on vend. Ça nous rapporte 208, c'est 13. Ouais, donc on va attendre un peu. Puis coût de recrutement réduit pour les Terrorgeist, on peut s'en passer quoi, pour l'instant. Allez, c'est parti. Comment est l'ordre public ici d'ailleurs? Ça va. Hop! On passe le tour. On va regarder un petit peu ce que nous propose Korn. Je comprends pas pourquoi je les vois plus bouger. Ah si, ça y est. Prendre l'attrition. Ah oui, non, il se met en portail démoniaque. Bon, Scarbrand, il va pas être blessé très longtemps. Hein. Je pense que. Armand va revenir. Bah normalement c'est 4 tours, une blessure, mais à mon avis il doit avoir des bonus pour ça. Donc je m'attends pas à ce qu'il soit vraiment disparu pendant 4 tours. La vache. Squeak il vient de piller deux fois la même ville. Intéressant. Ça c'est chez toi ça. Il est en train d'essayer de se dépatouiller de Gorok. Ah oui, c'est l'éveillé. C'est l'éveillé. Ouais, pour l'instant il envoie plein de... Allez, plein de héros dessus. Bon, la corruption vampirique monte doucement ici, on devrait pouvoir stabiliser ça avant que ça parte trop en couille. Alors, ici, ok, ils ont géré le nain. Parfait. Et il y a une rébellion. Rebelle de Korn. C'est compliqué de tenir la région hein. Entre les orques sauvages, Korn, la corruption de Korn, la corruption du chaos, la corruption vampirique, la corruption Skaven. Ouais, ça. Ah le bordel quoi. Battez l'armée du seigneur suivant et les exilés de Korn. On gagne 1000 balles si on y arrive dans les 6 tours. Ça devrait être faisable. Ah, Dédé le Maccabée qui prend un petit niveau. Poids des âges. Ouais. Ça c'est quoi? Vent de la mort. On prend. Un petit peu de dégâts pour Dédé. Alors, j'avance en... agressivement ou pas? Ah, on prend tellement de corruption quoi. Tellement d'attrition. C'est la violence.
Limite, faudrait que je marche en pillage dans mes propres territoires, quoi. Mais je suis pas sûr que ça soit très très pertinent. Tu peux aller jusqu'où, toi? Marche forcée jusque-là. Allez, go, on y va. On va prendre un petit peu d'attrition, mais au pire, on se fera une petite session réinvocation de saloperie. Comme ça, on marche de front au moins. Alors, ici, c'est quoi cette ville? Ah bah c'est celle-là, ouais. La thune. La thune. Alors du coup, il a recruté quoi? On voit pas ce qu'il a recruté. Par contre, on voit qu'il y a quelqu'un à assassiner dans cette armée. En avant. Hobiti, nous avons besoin de toi. Nous, on va avancer au croisement juste là. Est-ce qu'on voit du coup ce qu'il a recruté? Ouais, des mineurs, voilà. C'est pas avec des mineurs qu'il va nous faire mal, hein, par contre, ça. Pas inquiet. Et avec nos 4 baisers de sang, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose, on pourrait éveiller une nouvelle lignée, mais non, j'aimerais bien terminer ça là. Petit moins 10 d'entretien pour toutes les armées, il fait plaisir quand même. Allez, on passe le tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Korn? J'aimerais bien le voir, pourquoi je les vois pas bouger? Je comprends pas. Ça m'énerve. Bon, il en a recruté du berserker maraudeur. Ça devrait aller. Je pense qu'il est aux abois. Par contre, à mon avis, prochain tour, on a Skarbrand dans une armée. Hein. Tu vas devoir te le reprendre. Ouais. Mais on a été obligé de s'arrêter un peu pour... pour se remettre, parce que il fallait quand même qu'on reconstitue, et là à mon avis on va être juste un petit peu trop long. Mais bon, ça devrait aller, hein. Vu ce qu'il a autour. En plus, c'est une région où il y a des créatures potentiellement sympas à ressusciter. Donc je pense qu'on va pouvoir lui tomber dessus. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une grande migration vient à nos frontières. Coût de recrutement moins 10. Et autorité moins 3. La croissance, en vrai, c'est vraiment le truc intéressant. On va accepter. Ça m'embête un peu, mais... Donc, ils doivent commencer à être un peu aux abois, la citadelle du crépuscule, là, depuis le temps que tu leur tombes dessus. Oh ouais, ça va. Il ne reste plus qu'une ville. Ok, on va se mettre en marche normale, on va aller jusqu'ici. Et là, on lui tombe dessus. Tour décisive, alors même avec l'attrition, on perd rien, parfait. Je pense qu'on va plus... On a moyen de plus se reconstituer là que si on prenait pas d'attrition.
torque du fléau des plumes. C'est de la merde ça. C'est dommage de pas pouvoir vendre les trucs qui servent à rien. Mais bon. On va équiper, faute de mieux. Alors, on va te donner la fin toi. Recharger les vents, ça me paraît bien. Alors, il reste lui qui est en train de recruter du sanguinaire à la con. Et cette ville... Il peut recruter des enfants de cornes s'il veut. Ok. Je connais pas trop le gameplay des démons. Je sais pas s'ils ont une limite de recrutement ou... Comment ça se passe. J'en ai pas beaucoup joué donc... Ah, et ici il y a un orc encore, mais bon, plutôt un gobelin, ça va, on devrait pouvoir gérer. Et là, est-ce qu'on a assez de mouvement pour tenter un assassinat? Allez, go, vas-y Chobiti. Succès, oui, c'est beau ça! Avec son armée de mineurs, on va le défoncer. Ce serait une victoire à la Pyrrhus. Oh non, on perdrait les lames oubliées. Bah non, on va pas perdre les lames oubliées. Hein. Jamais de la vie. T'as vu ça où toi? Ah, Chobiti elle a un niveau. Je vais prendre spécialiste. Alors, on a plein de sous. On peut développer des villes. Pourquoi pas ici? Ici on peut améliorer la mine de fer. Mine de fer infestée de zombies. Ouais, ça c'est un peu plus intéressant déjà. Même à court terme. Tiens, hop, un petit bras zéro. On peut monter jusqu'à combien? Ah, dommage. C'est déjà pas mal, tu me diras. Non, on a déjà ça là. On va faire un bras zéro. On sait que la corruption elle a du mal dans le coin, donc plus de corruption, ça veut dire plus de corruption. Tout à fait. Alors, ici on a joué, hein. Je commence à avoir pas mal de choses à faire. C'est parti, on passe le tour. Barbour passe en mode marche. Et visiblement, on n'a pas Scarban. Hein. Encore. Il a gardé son seigneur de merde. Ouais, mais je suis aux portes de sa dernière cité là, donc. C'est trop tard. On va regarder ce qu'on a dans le pool de résurrection avant d'attaquer. Voir si on peut pas en profiter pour refaire les unités qui ont un peu pris de l'attrition. Alors on m'a demandé dans les commentaires si la résurrection avait un vrai intérêt par rapport à recruter des unités standards. Le recrutement d'unités standards est techniquement plus intéressant parce que on profite de tous les bonus. Les bonus de recrutement, les plus de plus 1 de niveau, etc. quoi. Mais c'est vrai que la possibilité de faire de la résurrection, de recruter instantanément, et en plus de recruter des unités avec. Enfin, si on voulait le faire avec des bâtiments, il nous faudra encore 10 tours quoi. C'est quand même agréable. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu me déclares la guerre? Bah écoute, si t'as envie. Justement, j'avais envie d'ouvrir un front à l'ouest, ça tombe bien. Il y a un bretonien qui pense qu'il doit maîtriser l'Arabie. Ouh, Enkari qui récupère l'épée de Kane. Oh, ça pique les fesses, ça. Ça pique les fesses très fort. Ah, si ça va pas piquer, ça. Alors,
Et on peut recruter des petits trucs. Donc déjà, vous et vous, on vous fusionne. Vous et vous, on vous fusionne. Vous aussi, on va prendre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Hop, les zombies peuvent crever. Ici, tac tac. Tac tac, résurrection, on va prendre une comme ça, deux comme ça. Y'a quoi dans le pool? Putain, y'a tellement de trucs. Oh, je peux recruter un carrosse noir. Mais oui. Rien que ça. Rien que ça. Dans le territoire de notre ami Scarbrand. Des chevaliers de sang. Ils iront très bien avec le carrosse noir. Oh, des émissaires d'outre-tombe. Ah ouais, non mais c'est... Oh là là. Des Vargouf, des Terrorgeist. Ah bon, on va virer les squelettes, hein. Ah, je te dis que ça. On va faire de la place. Allez, on prend ça. On prend ça. On va prendre... cela, voilà. Ça coûte un peu une blinde, par contre, forcément. Et puis on va prendre... c'est tout. Et toi, pour l'instant rien d'autre. Et on lance le siège. T'es sérieux, on n'a pas le mouvement? En quel honneur on n'a pas le mouvement? Ah, il y a une fucking rivière à traverser. Ah, bordel à cul. L'échec. Un peu, ouais. Un peu. Bon, enfin un peu, on a quand même une armée qualitative, on va dire. Et c'est vrai que ça fait mal aux fesses là. L'attrition du chaos, hein. Wow. Bon. Ici, Von Karstein. Normalement il te reste un tour pour faire des tours. Ah, et puis du coup on peut mettre ça, les attaques magiques. Qui c'est qui n'a pas déjà les attaques magiques? Von Karstein, t'as des attaques magiques, pas trop de doute là-dessus. Il serait pas mal avec des attaques magiques. Améliorer la vitesse de cette unité-là, ça me plaît bien. Et plus de dégâts des armes perforantes sur un morgul, très bien. Allez, attaque. Chobiti, tu vas aller à l'ouest. Si, tu vas à l'ouest, Chobiti. C'est pas la peine de te plaindre, tu vas à l'ouest. Elle crie dans la pièce d'à côté, mais va à l'ouest. En fait, elle va à l'ouest, mais elle se prend le mur. Non, elle se prend pas le mur, elle va à l'ouest. Tout simplement. Ouais, bah du coup ça fait chier, mais on va passer le tour. Hein. C'est vrai que c'est tout marécageux pourri ce coin là. Toujours pas de Scarbrand, il a peut-être pas la thune de le faire revenir. Ouais. Et du coup il recrute des trucs mais pas ce tour là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir lui tomber dessus quand même normalement. Par contre on est laminé, hein. Vache. Niveau usure vivement qu'on se débarrasse de lui quoi. Encore l'éveillé qui fait des siennes. Oui, à chaque fois il propose les mêmes choses. Ah, il te propose des trucs carrément. Ouais. Est-ce que tu rejoins ma guerre? Tu rejoins ma guerre. S'il te plaît. Allez. C'est la merde. Allez. Non, c'est vraiment ça quoi. Do not underestimate.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Un pacte de non-agression avec toi? Ah, tu vas tout là quand même, hein? Non. Ce sera peut-être pas la première cible, mais tu seras une cible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ah, il t'attaque, il se défend. Non, il t'attaque. Il est... Non, il est passé, mais sans même... Il m'a juste denied mon armée. Il a fait non. Non, ton armée n'est pas là. Comment ça? Mon armée est juste à l'extérieur de la ville. Et voilà. Et il a attaqué ça la ville et pas ton armée? Il a juste raidé la ville que je viens de reposséder. Et puis il s'est mis en avance rapide et s'est replanqué dans sa ville. C'est plutôt bien joué, cela dit. Hein. C'est tout. Il a pris 33 d'or. Voilà, voilà. Bah écoute. C'est voilà, ça sert à quelque chose. Au moins, peut-être. Ouais. Allez, toi, faut que tu te mettes en raid là. T'arrêtes de prendre de l'attrition. Attends, tu peux pas traverser, t'es sérieux. Bah, du coup, mets-toi pas en raid. Voilà, mets-toi en marche rapide. Fais pas chier. Victoire de justesse. On perd ça et ça, ok. Là, on va perdre. Ah, on perd que ça. Ah bah, on va pas se faire chier, on va se débarrasser de cornes une bonne fois pour toutes. Hop. Bâton de mort ardente. Faction détruite, les exilés de cornes. Quand on prend mais tellement cher en attrition, putain. Faut vraiment dégager cette corruption quoi. Allez. Les exilés de cornes, c'est fait. Et là, on peut se recruter quoi? Un deuxième Terror Geist, un Vargulf. On va prendre ça. On va reprendre un comme ça, parce que toi tu vas décéder malheureusement, donc on va te prendre ça. Hop. Rien comme ça. Hop. Et on devrait pouvoir aller raider quelque chose. Pas vraiment. Alors, on échangera de place dans la ville, hein. C'est comme ça. Hop, on prend du coup l'amélioration des troupes. Le vent de mort, Jacob von Karstein. Moins 10 venant de tous les types d'usure, c'est pas mal ça. Ça tombe plutôt bien dans le contexte. Il nous faut une tech, ça c'est quoi? Ouais. Ça je prends. Combien de temps? Ah oui, 5 tours, j'ai mis 15. On a 5 baisers de sang, on peut rien en faire. On a de la thune par contre. On peut améliorer ça. Alors avant d'améliorer ça, est-ce qu'on a des choses intéressantes sur notre nouveau front? Oui, ouais, c'est parti. Puis ça, pour un temps qu'on y est. Chobiti, où est-ce que t'es? Ah, t'es loin encore. T'es pas encore à l'ouest, Chobiti. Bientôt. Rébellion imminente. Oui, bah, ils se rebelleront, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi. C'est bon, hein. Ici, on ferait du recrutement. Oui, mais probablement pas ça. Et ça, ouais, on va le garder pour l'instant. Parce que là, à tous les coups, il s'est foutu là. Notre ami le clan Morse. Alors, est-ce qu'on a des gens
qui voudraient des trucs. Eux, ils voudraient éventuellement un pacte de non-agression, mais ça nous intéresse pas. On n'a toujours pas rencontré notre ami Katox, hein. Puis du coup, maintenant qu'il est plus, et non. Il est plus dans le cimetière du Galion, quelque chose me dit qu'on va pas le rencontrer tout de suite. Et bah, rébellion imminente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ce sera une rébellion et puis c'est tout. Oh bah, ça va, c'est Gorst. C'est Gorst qui se rebelle. On va le défoncer. En plus, il s'est rebellé. Il avait le choix entre se rebeller sur une vieille ville level 1 avec zéro garnison toute pourrie ou la capitale où j'ai deux armées pleines qui viennent de défoncer Khorne. Et il se rebelle où ? Juste à côté de mes armées. C'est ma foi très bien choisi. Oh ! Oh Quick ! T'as tellement merdé ! Bien fait. Il a attaqué une ville d'orques. Il a rasé la cité. C'était en ruine, donc je pensais qu'il les avait prises, sauf qu'ils les avaient pas prises. Juste derrière, il y a la cour de Libaras là qui a colonisé les ruines avec un nécro-prêtre. Et du coup, il s'est fait piquer la ville, mais devant les moustaches, quoi. Et qu'est-ce qu'il foutait là, le nécroprêtre ? C'est hyper loin, Libaras, en plus. Parfois, il te cale des trucs. Tu vois, des héros qui sortent, et t'es là, mais d'où tu viens, toi ? Non, mais c'est tellement ça. Bon, là, c'est en périphérie de ma zone, donc je le vois pas, mais... Enfin, Libaras, c'est hyper loin, quoi. Il est à 3 ou 4 provinces de distance, il devait avoir un nécroprêtre qui se baladait au cas où. Bah c'est bien joué. Franchement là, rien à dire. Je vérifie s'il est en guerre. Il me fait toujours la même chose. Il sort, il va près de la ville et il revient. Il sort, il va près de la ville et il revient. Et tout ce qu'il fait. Bah il t'empêche de te refaire. Ah non, je suis à full, je suis en train de raider l'endroit où il est. Voilà. La wag. Il a mis un sac 11 PO. La chasse sauvage commence. Ce que je fais. Alors du coup, t'es en guerre contre Quick toi ? Non, même pas. Hein. T'es en guerre contre qui ? T'es en guerre contre les ultimes défenseurs. Ok. Un vampire ! Vous osez m'approcher ? Bah ouais, carrément. Pas content, c'est pareil. Au fait, au rayon là, tu veux toujours pas un petit accord ? Non. Ouais, parce que on va mettre une grosse tatane à tête en fer, tu vas bien nous aimer. Ou alors tous les bonus disparaissent, je ne sais pas. Allez. Hop. Rip les nains. Oh, on a eu le masque terrifiant de... Ah ! Il est terrible cet objet. Faction détruite. L'expédition de tête en fer. Une bonne chose de faite. Alors, Von Karstein, niveau 21, c'est pas ouf, hein. Va falloir se bouger les fesses un moment. Non, on va plutôt prendre ça, ça me paraît plus adéquat. Bon, je vais mettre mon armée dedans, on va voir s'il donne quand même l'assaut. Yes. Ok, ce front là c'est fait. Alors le problème c'est que Libaras on n'aura jamais de pack de non-agression. Ça m'embête un peu, mais bon. On va se dire que c'est pas grave. Voilà, la rébellion, elle n'existe plus. Tuck. Et toi mon cher, il faut que t'ailles dans la ville parce que ton armée se fait tellement défoncer. Ça me fait mal pour toi. Ouais,
Un des murs, ça me paraît bien dans le coin. Alors peut-être que même plus que des murs, il faudrait un brasero infernal. Les bâtiments pour recruter des trucs là. Là on va recruter des nécromanciens avec ça. Il faudra qu'on ait ce truc là pour recruter des vampires. Ce truc là pour recruter des rois revenants, il nous le faut quelque part. Ça c'est quoi? La nécropole perdue de Mourkane. Hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. D'ailleurs, on doit se rapprocher petit à petit du livre là. Troisième livre de Nagash. Occupé Karakakarak. Ah oui, non, absolument pas, c'est hyper loin. Bon. Ah, on a 6. Pourquoi on peut pas? Il faut 6 baisers de sang, j'ai 6 baisers de sang, ça me dit que j'ai pas assez de baisers de sang. Bah écoute, va te faire voir. Donc. Hein? Après tout. Ça. Ouais, ça c'est pas. C'est pas ouf. Marsomâtre. Tu sais, il nous faut du mur. Ça. Parce que l'ordre public est quand même problématique. Hein. On peut pas vraiment. Bring me flesh to craft. Necropolis awaits. Est-ce que tu accepterais de nous vendre cette province, Quick? C'est ça la question qui se pose. Je serais presque prêt à te l'acheter. Un Nia accepte de te vendre une province, c'est pas mal ça. C'est cher, mais c'est pas inédit. Si on s'entend bien, il veut absolument une alliance défensive, ça peut se négocier. Ok, elle va me déclarer la guerre, elle. Ah putain. Tu fais chier, Libaras. Je le savais. Et Arcane, tu veux quoi? Un pack d'agression toujours? Non, ça ira. Bon, bah on va lever une quatrième armée. Puisque c'est comme ça, puisque Von Karsten Manfred va avoir de l'occupation à l'est finalement. Bon, du coup, ouais, là on est bien en train de corrompre. Qu'on complète ça, qu'on se débarrasse de la cité Skaven aussi qui traîne. Dédé le macamé, il a un bourdon maudit maintenant. Propre ça. Mais on va voir ça lors du prochain épisode. On ira voir son gros bourdon lors du prochain épisode. Parce qu'il faut qu'on l'arrête, il est suffisamment long, il est très très suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à laisser des petits noms si vous voulez rejoindre l'aventure. Et puis bon, on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.